Beaucoup d'acteurs français en ont rêvé, peut-on concrétiser, apparaître dans un James Bond. Parmi les comédiens que l'on aurait pu retrouver dans les aventures de l'agent 007, Tomer Sisley s'est exprimé ce vendredi 17 mars, dans cet À vous, sur les raisons qui l'ont poussé à refuser un rôle dans la célèbre saga d'espionnage. Il faut m'expliquer là, vous vous êtes déboîté l'épaule ou quoi ? A demandé Anne-Elisabeth Lemoine, effarée par une telle décision. En termes de carrière, c'était certainement une erreur, a d'abord admis l'interprète de l'argot Winch, avant d'expliquer qu'en réalité, le rôle, dans Skyfall, ne lui convenait tout simplement pas. On me demandait de jouer le rôle d'un gars qui se bagarrait avec James Bond, a précisé Tomer Sisley. Une scène qui devait tout de même durer 20 minutes et aurait pu lui permettre de faire face à Daniel Craig, l'interprète du célèbre espion. Toutefois, l'acteur franco-israélien n'avait pas une réplique, un cascadeur aurait pu le faire, ça n'aurait strictement rien changé, a-t-il estimé. Et d'ajouter, « Moi je ne suis pas cascadeur, je suis acteur. Je préfère avoir trois phrases dans un bon film, plutôt que 20 minutes de cascade. » Tomer Sisley ne dit pas non aux collaborations avec des stars hollywoodiennes, mais Tomer Sisley ne boude pas Hollywood pour autant. Le comédien de 48 ans s'est déjà illustré dans plusieurs productions américaines, dont récemment Don't Look Up, où il donnait la réplique à Leonardo DiCaprio. Au cours de l'interview, Anne-Elisabeth Lemoine rappelait par ailleurs que sa filmographie l'a amené à jouer avec Sharon Stone et Jennifer Aniston, un beau parcours que Tomer Sisley complétera bientôt avec le troisième volet de l'Argo Winch, dans lequel il fera face à l'acteur James Franco. Un film pour lequel l'acteur a donné de sa personne, jusqu'à se blesser lors d'une cascade. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, c'est à vous, France 5.